Hey, bonjour à tous, on se retrouve sur Holy Cube avec... Oh. Tout est complété le sable D'ailleurs je vais pouvoir virer ça. Il doit en rester peut-être un petit peu ici. Ah non, de la merde qui est tombée, on va pouvoir récupérer ça. Donc le temple, euh, il reste plus qu'à dégager... Wow <laughs> J'adore quand ça fait ça avec les elytras Il reste plus qu'à dégager entièrement le sable. Euh, et à construire le temple, ça on fera ça lors d'une soirée en stream. Je vais récupérer le reste. Euh notamment ouais, les shulkers je m'en fous parce que je vais laisser aux gens s'ils veulent les récupérer parce que j'en ai plein il y en avait à mlg je crois pas que j'en ai amené beaucoup j'en ai amené peut-être 4 ou 5 donc je vais peut-être récupérer ça elles sont toutes vides hein. hop là il reste un petit peu de sable euh, et hop on vire ça faut que j'aille réparer ma pelle euh, donc on construira ça tranquillement en stream l'usine à Guardian. Vous connaissez les bails. Je pense pas qu'on fera de choses différentes par rapport au modèle classique. Je verrai avec, euh, avec Auré, mais euh, normalement c'est, euh, on peut casser tout ça. C'est le modèle comme sur le LP, ça n'a pas changé hein, depuis, euh, depuis tout ce temps. C'est toujours le modèle le plus efficace. Voilà. Donc là j'ai cassé toute la machinerie, ça a rien qu'elle reste. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui on va bosser un petit peu. Comme vous le savez, les boutiques qu'on ouvert en ville. Euh, Hop. Alors, on va pas bosser sur la boutique encore, quoique on verra si on a un peu le temps. Non, la Redstone revient. Euh, on va bosser surtout sur. Tout, sur <laughs> the fuck. <laughs> on, on, on va bosser surtout sur le le les portes. Alors, je, je vous rappelle le projet que je veux faire, c'est dans la boutique, je vais vendre des accès mensuels. À chaque fois, ça commencera le premier du mois, ça finira ou, ou ou des accès de deux semaines plutôt. Faudra que je pense à refresh à chaque fois, toutes les deux semaines. Euh, et du coup, je vais vendre des accès. Il y aura des discounts pour ceux qui avaient la, la clé d'avant. Et. Alors, c'est juste chiant parce qu'on peut pas renommer pour l'instant les items. On ne peut pas les renommer en stack. On est obligé de les renommer un à un. Mais bon. On n'est pas à 46 milliards de joueurs, donc ça devrait le faire. Donc je vais vendre des clés et ces clés donneront accès à mes machines. Euh, alors il y aura peut-être des combos de clés. Ça on verra comment on peut mettre en place. On peut peut-être faire un all access ou un access unique. Je pense que je vais faire ça. Euh, mais du coup, il faut que je design le portail devant chacune de mes machines. Pour l'instant, vous savez que j'en ai deux. J'ai le behemoth avec tout ce qui est végétaux. Et euh, le temple. De euh... Enfin, le temple, l'illuminati, le... Euh, où on a dessus tous les loot des mobs. Alors, évidemment, mon truc sera pas 100% efficace, c'est à dire que si quelqu'un veut gruger il peut le faire sans problème puisque euh, il lui suffit de casser des blocs et de passer à travers, mais hein, euh, sur Cube ça joue relativement RP, donc ils respecteront le truc j'espère Du coup on va mettre en place un système où on arrive, on met sa clé, soit c'est une bonne clé et ça ouvre, soit c'est pas une bonne clé et il se passe rien mais dans tous les cas ça doit redonner la clé, à chaque fois ça doit pas avaler à, à la clé. Je veux pas faire des clés euh, une seule utilisation mais plutôt des clés... Euh multi-utilisation c'est je pense que c'est mieux. Alors je pense qu'on donnera on fera un, un coût pour les accès assez élevé, Donc ensuite il faudra faire la machine au niveau de la boutique pour les accès, qui vendra les accès. Qui est assez important, mais pour l'instant on va se focaliser sur cette porte. Donc on se retrouve, la première porte qu'on va faire, c'est pas celle du Behemoth parce que j'ai pas fait la déco autour, mais euh, c'est celle de l'Immunati et on va la faire dans le Nether. Donc on va se retrouver dans le Nether et on va faire le système. Je vais vous montrer un petit peu comment faire euh, une porte 3x3. Alors c'est pas des vraies portes 3x3, mais euh, elles sont assez simples à faire et puis on va utiliser des observeurs et tout le système qu'il y a autour. Alors, on se retrouve au fameux portail. J'ai agrandi d'ailleurs le portail. Hop, on va changer ça. Pour faire un 3 par 3, c'est quand même beaucoup plus joli. On fera une salle, on fera quelque chose de joli euh, autour. Une petite salle entre guillemets. Et euh, hop, on va poser ce qu'il faut. On va construire le mécanisme. Vous allez voir, ça c'est intéressant. Euh, donc pour l'instant, on va omettre totalement les blocs, la couleur des blocs, etc. Euh, ça, la déco, ça sera fait après. Donc comment on fait une On va juste se servir. Est-ce que j'aurais pas Bah tiens, si on va prendre du quartz. On va juste se baser euh, là-dessus pour faire la porte. Alors ça sera pas une pure porte 3x3 comme vous le connaissez. Les portes 3x3, c'est celle qui se ferme entièrement. Là, on va omettre le bloc central qui est toujours le bloc relou. Je ça tout de suite. Euh, qui est toujours le bloc euh, un petit peu relou. Euh, on va se contenter pour l'instant de... Enfin, même on laissera une, une porte comme ça. C'est les plus simples à faire. Des fois, il n'y a pas besoin de trop se compliquer. En plus, on peut faire des patterns qui sont sympas. Donc... Oh, attendez que je dégage un peu. J'espère que j'ai pas de la lave qui va tomber. Comment ça fonctionne Évidemment, <laughs> bon, si je recasse les trucs. Les portes 3x3. Vous avez besoin de... 3 pistons sur le côté, 3 trois, enfin, trois pistons de chaque côté. Et ensuite, juste un piston au-dessus. Un piston en dessous. Pour la fermeture. Parce que forcément, quand on va fermer, on va pousser ces 3 pistons qui vont se mettre là. Ceux-là qui vont se mettre là. Et au-dessus, on aura juste ça et ça. La variante, si vous voulez faire une pure porte 3x3, c'est pas compliqué. C'est un double extender là-haut. Avec un bloc ici, généralement, qu'on place ici avec un autre piston. Ou alors en bas, hein, c'est au choix. Euh, qui va être un bloc tampon. Là, les blocs qu'on met ici, qui, qui, qui vont faire le, le contour de notre porte, ces deux blocs-là et ces deux blocs-là vont être fixes. Comment faire une... Euh, j'ai pris... Ah, attendez, j'ai oublié de prendre un truc. Je vais aller chercher euh, des blocs durs pour le circuit en redstone. Si jamais quelqu'un casse dans le laser c'est pour éviter que ça pète tout. Donc, rien de plus simple pour les pistons, les côtés. Pour ça, vous mettez une torche ici et une ici Regardez, boum. Vous activez les trois. Pareil de ce, non, pas le feu d'artifice. Pareil de ce côté-là. Bon, on a déjà résolu de problème. Il reste ce petit, ce petit piston là-haut. Pour ça, il y a une solution qui est super simple. Et euh... ah, je ne peux plus ouvrir. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient récupérer. Ah, à chaque fois, j'oublie les blocs qu'il faut. Mais on vient récupérer le courant ici. Euh, on le monte et on le fait venir jusqu'ici. Maintenant, souvenez-vous, et on peut le faire. Alors, je vous montrerai plus tard des modèles de portes. Plus tard hein, dans, dans la saison, ne vous inquiétez pas, mais de pur 3x3 avec le bloc central intéressé, voire des 4x4, voire des 5x5 aussi. Euh, il s'avère qu'on peut compacter énormément maintenant les... toutes ces portes-là grâce aux observer blocs qui sont extrêmement pratiques pour balancer des impulsions, euh, des impulsions courtes et rapides pour refresh des pistons. Euh, donc là, on va s'en servir d'un juste. Le... le son est bon, je vais vérifier parce que je l'entends assez fort, juste pour le, le plaisir de s'en servir d'un, n'est-ce pas euh, Mais on verra plus tard qu'il s'avère très 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 pratique. Donc là, ce piston là, on va lui dire de ce piston là, cet observeur là, on va lui dire d'observer, hop ici, ce piston là, et il va nous émettre un petit courant qu'on met ici. Souvenez-vous, ce bloc là, il est fixe, donc on n'est pas embêté de le faire. Alors, le seul problème, c'est que là, c'est dans le mauvais sens. Il faut que je refresh un coup. Euh, parce que là, c'est inversé. On va juste. Euh, non, oui, je suis con. On va pas s'embêter. Normalement, là, on est censé être dans cette position-là. Boum. Il manque le piston du bas. Mais alors, du coup, maintenant, regardez ce qui se passe quand. Évidemment, j'ai dû encore oublier. Bon, c'est pas grave. J'ai dû encore oublier. Euh... Un levier. Quand on éteint, vous voyez. Boum Ça se déclenche et ça se déclenche pas. Qu'est-ce qui se passe C'est que ce piston bouge. Lui, il observe. Et c'est là qu'on se sert d'une particularité de l'observer bloc qui est très bien. C'est qu'il va déclencher un courant à un tick de délai. Ce qui fait que le le piston ici perd son côté stick. Donc quand les pistons s'étendent, ici lui il va s'étendre un coup et juste pousser le bloc, et quand les pistons se rétractent il va ramener le bloc là. Euh, et le piston d'en bas on va tout simplement le manier à l'ancienne, c'est à dire avec... On va pas s'embêter, on le gérera avec ici un bloc de... Redstone Oula, la fatigue qui parle. <laughs> un bloc de redstone. Alors pourquoi un bloc de redstone Vous allez voir plus tard dans notre machine à quoi ça servira. Ensuite il ne nous reste plus qu'à relier tout simplement ici comme ceci, voilà, hop, on l'a éteint là haut. Et je suis dans un ghost block, toujours un plaisir, merci. Et de l'autre côté, hop, on fait courir le fil, on va le faire remonter. Voilà et on ferme cette partie là, et si je vire ça vous allez voir que... ah bah non en fait... Euh, qu'est ce que j'ai fait comme bêtise Non il faut que je rajoute un inverseur ou un truc comme ça... Je sais... attendez attendez... oui voilà c'est mieux, hein. il faut que je rajoute évidemment euh, des inverseurs que ce soit de ce côté là ou euh, de ce côté là, et donc du coup quand on casse ça... hop la porte s'ouvre en entier, alors elle réagit très rapidement, c'est quasiment instant, enfin on a de... plus ou moins, on a ce piston d'abord, euh, ensuite avec deux tics de délai on a ces trois pistons. Le gros avantage de faire ici cette structure c'est que les trois pistons ici sont vraiment purement synchro. Et ensuite on a encore deux tics de délai avant ce piston là. Ouh oh, c'est un tic. Un tic ou deux tics? de tic normalement, L extension du piston. Il y a d'autres façons de faire, ça c'est vraiment le modèle le plus simple. Vous savez qu'à chaque fois qu'on va faire on va faire des portes 3x3 partout avec notre système. Euh, C'est-à-dire avec le fait de devoir mettre la clé, etc. On va mettre des portes 3x3 parce que ce sera les portes d'accès à nos machines. Euh, donc a chaque fois, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser des portes différentes. Là, vous avez celle-ci qui est vraiment la plus simple, la basique. Ça consomme quasiment rien. Vous avez vu qu'on a un, 2, trois, quatre, cinq fils de, six, sept. On a huit fils de redstone, quatre torches, un. Le, le plus cher, c'est vraiment les pistons euh, et un observer bloc. On fera d'autres portes. Il y a des portes qui sont rigolotes à faire où en fait tous les blocs. Il y a un délai entre chaque bloc, c'est-à-dire ce bloc est poussé, ensuite celui-ci, ensuite celui-ci, celui-ci, et ça fait comme euh, quelque chose qui tournait, euh, qui, qui tournerait. Donc on fera ça, on fera des portes plus grosses, on fera des 4x4, des 5x5. On va s'amuser sur les portes comme d'habitude. Hein, les portes, c'est vraiment le. Ça fait partie de. de l'inventaire de base du Redstoner. Euh, les tout le monde doit savoir... enfin si, si vous vous intéressez à la redstone tout le monde doit savoir faire des portes, hein, c'est vraiment le, la base. Donc la porte c'était euh, la partie euh, YOLO, maintenant on va s'intéresser à la partie plus... et vous verrez j'utilise un bug différent, à la partie plus on met la clé, ça la détecte, ça nous ouvre la porte et ça nous renvoie la clé. Et ensuite quand on passera de l'autre côté évidemment on devra placer... alors je ne sais pas comment je peux faire pour... Euh que je mette des tripwires. Je vais mettre des trois des... 3... des plaques de pression qu'on ne peut pas esquiver. Alors les gens pourront esquiver, mais euh, bon une fois de plus c'est pas grave. Au pire ça fera une entrée gratuite pour la prochaine fois. Euh, donc voilà, je vais préparer tout ce qu'il faut pour le système et on construit ça ensemble. Donc c'est ici qu'on mettra la clé. Alors j'ai pas encore. Je vais réfléchir à, quelque... à faire quelque chose de, de sympathique. Je pense qu'on a plus intérêt à mettre un minecart avec un hopper avec. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de, de sympa Il y a plusieurs solutions. Soit on met un coffre, les gens droppent dans le coffre. Soit je préfère celle-là où on arrive avec la clé, on la drop vite fait, c'est plus rapide. Euh, mais je sais pas. En termes de déco, on verra un petit peu la, la façon dont on l'a fait, ce qui est le plus joli, euh, euh, le plus sympa à voir. Donc ensuite, en dessous, on va devoir mettre des filtres euh, et en particulier, on va devoir mettre deux filtres. Si je ne fais pas de bêtises, c'est on va faire ça comme ça. On va mettre un filtre ici et un filtre ici. Pourquoi deux filtres Parce que comme je vous l'ai dit, on aura deux types de clés. Une clé qui donne accès à toutes les machines dans son intégralité et une clé qui donne accès à cette machine-là en particulier. On pourra acheter euh, plein de différents trucs. Ça, ça il faudra qu'on la fasse, la boutique elle va être sympa. Donc ça va être tout simple, on va mettre euh, des filtreurs d'items, ça vous savez faire, donc je vais les faire à FK. Donc nos filtreurs classiques, rien d'extraordinaire, on balance dans cet hopper là qui va tomber dans celui d'en dessous. Soit ici ça correspond à, au fil qu'on aura ici ça, et ça descend dans cette colonne. Soit ça passe ici, pareil ça correspond ça descend dans cette colonne. Donc soit c'est la clé qui ouvre que cette porte, soit c'est la clé qui ouvre toutes les portes, soit c'est autre chose, et dans ce cas là ça continuera, on va faire le système après. Euh, mais du coup ça descend, on s'en fout de savoir, en fait on a besoin d'avoir deux, deux filtres pour identifier euh, deux clés différentes, mais euh, c'est dommage qu'on puisse pas, et ça, ça serait une fonctionnalité qui serait super intéressante dans Minecraft, c'est faire euh, des filtres plus complexe Donc, au niveau des correspondances de noms presque faire de, des regex pour, pour ceux qui connaissent pas c'est en gros euh, on, on, on vérifie par exemple imaginons que ma clé pour la porte ici ça soit ça soit yolo et la, plaie, la clé de toutes les portes ça sera euh, YOLOT. et à partir d'un du fil qui à partir du moment où il y a yolo dans le nom c'est bon ou l'inverse la, la clé de toutes les portes, c'est YOLO et la clé de cette porte-là, c'est euh, YOLOT. Donc, à partir du moment où vous avez YOLO dedans, ça marche avec tous les, les trucs. Bon, ça, c'est un exemple très simple parce qu'évidemment, euh, les gens peuvent hacker le système. Euh, et on pourra faire, oui, j'ai pas pensé à ça, mais le problème avec ce système-là aussi, c'est que c'est des clés qui sont toutes les mêmes. Donc, si quelqu'un achète une clé, il peut 1 la filer à son pote, <laughs> c'est comme dans la vie réelle, 2 en faire une copie. <laughs> il connaît le nom. Donc, ce sera comme dans la vie réelle, on pourra euh, pirater mon système. Mais je ferai la chasse aux pirateurs. Euh, et euh, donc, du coup, ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas. Là, il faudrait des ordis pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce système. Avec des ordis, on aurait une, une vraie interface comme il faut. Mais on est sur l'équipe, c'est du vanilla. Euh, ça part trop loin. Euh, et donc, du coup, c'est dommage dans les fils qu'on puisse pas faire des choses euh, aussi complexes. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on file deux types de, de trucs différents. Et quoi qu'il arrive, ils vont se retrouver dans ce euh, hopper là. Alors, il faut qu'on détecte. C'est vrai que ça va être un peu chiant. Faut qu'on fasse ça bien. Donc, ça. Alors, on va faire le premier système qui est le système de retour à l'envoyeur. Donc. Euh, donc, on va faire remonter ça. Il me faut un mur pour que ça soit transparent. Donc, on va utiliser pour ça des droppers. Et honte à moi, je crois que j'en ai pas assez. J'ai des fours. J'ai 44 droppers, c'est parfait. On va utiliser une nouvelle technique. Comme vous savez, l'ascenseur à dropper, il y a le classico. On met ça et on fait une sorte de boucle. Là, on n'aura on jamais plus d'un item qui va remonter. Sauf si le mec balance plein d'items en cascade. En soi, on peut faire la boucle. Mais on va partir du principe qu'ils vont. Ah, si balance un stack, ça peut être gênant. Ouais, on va faire la sécurité. Mais je vais vous montrer comment faire avec, pareil, les observer blocs, les nouveaux observer blocs. Comment faire un ascenseur à item. Alors, vous connaissez celui 3x3 que j'ai utilisé un peu partout où on fait glitcher les blocs à travers euh, une zone de 3x3 au centre, et il monte, il monte, il monte, il est bien, mais il n'est pas compact. On pourrait le faire ici, mais 1 c'est chiant parce que il faut générer. Euh, c'est bien sur les très grosses hauteurs, sur les petites hauteurs comme ça, ça sert strictement à rien. Sur les petites hauteurs comme ça, il vaut mieux qu'on utilise voilà, un ascenseur à dropper classico qui viendra euh, jeter l'item, voilà, même on va le faire ici, il jettera par un trou voilà hop on est pile en face donc le mec balance son item la porte s'ouvre il récupère son item c'est aussi simple que ça je vais, je vais décaler mes, mes petites boxes euh, et euh, du coup souvenez-vous aussi pour la sécurité et je l'ai pas pris toujours mettre des fours au dessus alors il y a même mieux que des fours c'est foutre des droppers oh bah j'en ai tiens on va mettre des droppers par dessus euh, même si je l'arrête son qui s'active c'est pas gênant donc on va mettre des droppers de partout, c'est rigolo. Euh, quoi qu'on va être un peu embêté... Bon on va voir après pour le circuit en dessous. Donc plutôt que mettre des fours, mettre des droppers, fours ou droppers, euh, c est, c est même, même combat hein, vraiment les mecs. Donc ça arrive ici et on, ici on va faire notre petite boucle, évidemment avec un comparateur, ça vous connaissez, mais vous allez voir que là où ça diffère c'est dans la façon dont on active l'ascenseur. Avant on utilisait des torches etc, parfois ça marchait pas super bien ça dépendait vraiment là je vais vous montrer une façon impeccable de le faire donc on va se mettre ici bim on va venir cutter ça là on met un bloc ça vous connaissez il me faut un repeater ouais, on fait de la redstone aujourd'hui mais oui un hein. oui, cube ayant remplacé le lp je préfère que c'est comme ça on va faire de la redstone sur le c'est normal. Euh, donc, là c'est le classico, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un item ici, hop, ça crée une boucle. Voilà, aussi simple que ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on déclenche cette barre de hopper. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va venir placer un observer ici. Ça, c'est la même méthode que vous savez, justement l'ascenseur 3x3, où quand ça va tirer, ça va allumer ce fil de redstone cet observer alors en sous, euh, oui, oui non on est de faire comme ça cet observer ça va déclencher cet observer qui va tirer un de courant et vous allez voir jusqu'où ça remonte dans ce cas là c'est monté jusqu'ici alors c'est bien oui et non parce que vous avez vu que ça a déclenché qu'une fois ça a déclenché jusqu'ici donc maintenant il faut qu'on déclenche ce dropper là comment on va faire ça ça que c'est rigolo hum, il faut juste que je regarde si c'est ah oui, ça émet un courant que de 1. Attendez, je vais revoir mon modèle que j'avais fait. Alors, c'est bon, j'ai trouvé la petite erreur que j'avais fait. Il fallait que je mette ça à deux ticks. Alors, à votre avis, si je mets un fil de redstone, vous avez entendu tic tic. A votre avis, où est la poudre de redstone Est-ce qu'elle est. Bon, pas ici, mais est-ce qu'elle est ici Ici Ou ici Alors, attention, vous avez 5 secondes pour répondre. Il faut mettre la petite musique là. Je vais me faire flag si je mets la musique, le tout tout tout. Comme dans des chiffres et des lettres. C'était des chiffres et des lettres, Je crois que c'était ça Donc, est-ce qu'elle est ici Non. Est-ce qu'elle est ici Non. Mais où est-ce qu'elle est, qu elle, est elle est ici. Alors pourquoi elle est si haute Pourquoi elle est montée si haute Parce que au début, vous placez votre poutre de redstone, le courant passe ici, l'observer block détecte la chose, il va alimenter ce dropper là, mais ça alimente à travers les blocs. Donc ça va alimenter ce, ce hopper là, ça va monter ici. Ici, le hopper d'une certaine façon, alors c'est toujours un peu bizarre la façon dont ça se déclenche, il va se déclencher lui aussi en fait, ça va en déclencher deux. Deux d'un coup. Donc il va monter ici. Et ce qui se passe, c'est qu'ici le courant s'est allumé, il va s'éteindre, ça va redéclencher l'observer le... block qui va faire tirer ce dropper là. Et donc on se retrouve avec notre poudre ici. Et comment faire pour faire ensuite un ascenseur Et bien tout simplement, on va venir observer ici cette poutre de redstone, et est comme cette poutre de redstone va s'allumer ça va déclencher cet observer et on va venir en mettre un euh, dans l'autre sens. Hein. On va mettre un fil de redstone là dessus pour vraiment observer la sortie, et on va venir observer ça. Ce qui fait que il y a du délai entre chaque observer, et ça c'est cool au final c'est grâce la modification comme vous le savez les observeurs blocs avant il n'y avait pas de délai entre les observeurs c'était de l'instant Maintenant il y a du délai et c'est grâce au délai qu'on peut faire ça. Du coup avec le délai ça va passer ici, ça va déclencher cet observeur et ça va le déclencher deux fois. Une première fois, et d'ailleurs je crois qu'on peut peut-être même le squisher, je pense que normalement si je dis pas de bêtises, on doit pouvoir faire ça. Euh, hop, ça, tirer à travers. Si on fait ça, c'est bon. C'est à dire que ça va le déclencher une première fois cet observer block. Souvenez-vous, la poudre elle est déjà montée ici. Donc cet observer block, quand il va se déclencher, il va déclencher celui-ci qui va monter ici. Qui devrait logiquement monter ici parce qu'il est. Euh, je sais pas s'il est buddé. Ou... Il n'y a plus de notion de bud, mais c'est assez bizarre. Ça se déclenche deux fois. Et ensuite, quand la, torche va... Quand la poudre va s'éteindre, celui-ci va se redéclencher et va faire tirer ce dispenser là. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, mais je dis peut-être une bêtise. Ouais, il reste quoi coin... Ah non, il est monté que ici. Parce que ça se déclenche trop vite. Ah, il nous faut du délai. Ouais, c'est parce que c'est monté trop vite. Alors, on va faire comme je voulais faire au départ. Euh... Normalement, c'est censé marcher, mais c'est un petit problème de délai, c'est un peu long. Donc, ce, qu ce que je voulais faire au départ, c'est... Tout simplement... Voilà, mettre cet observer bloc comme ça. Là déjà, on va voir jusqu'où il va monter. Donc... Avant, il était ici, là il est monté deux crans plus haut. Parce qu'une fois de plus, en fait, quand il arrive ici, euh, il a le temps à ce que ça soit déclenché deux fois. C'est un peu bizarre. En fait, la première fois qu'il va être déclenché, c'est par ce fil de redstone. Et la deuxième fois, ça sera quand l'observeur s'éteint. Et donc, il va monter, comme on l'a vu, quasiment tout en haut. Bah, même tout en haut, hein, on a le deuxième fil de redstone. Et euh, on continue l'ascenseur de la même façon. C'est-à-dire. Et là encore, on n'est même pas. Si, si, on est obligé de le faire. C'est-à-dire qu'on vient observer ici. En sortie. Et là, pour le coup, je pense pas qu'on a besoin de remettre un observer block. Comme ça, ça devrait fonctionner. On va tester. Non, ça marche pas. Il reste. Alors là, il est resté coincé là-dedans. C'est des problèmes de butt, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment bizarre. Alors que juste avant, il était monté plus haut. Donc ce que vous mettez, c'est un observer block de la même façon qui va déclencher deux fois et ça va faire tirer le dropper. C'est le modèle que j'avais au départ, mais je voulais voir si on pouvait l'optimiser encore plus. Donc voilà, vous avez compris comment faire maintenant un ascenseur avec des observer blocks. Si vous ne voulez pas utiliser l'ascenseur classique en 3x3, vous faites cette alternance à chaque fois. Observer block avec put de restone, observer block, ta 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 ta, et, ça, et ça vous fait monter la pile de dropper. Et donc, au final, notre item qu'on a balancé ici, soit c'est une clé, enfin, si c'est une de deux clés, il va tomber, tomber, tomber là-dessous. Et hop, il va revenir directement. Si on balance un stack... On va balancer pas un stack, mais on va balancer 10. Merde, ça retombe dedans. Alors attendez. Parce qu'on en a récupéré 10. Combien j'en avais <laughs> Je ne sais plus. Il doit être coincé là-dedans. En plus, il y en a deux qui sont coincés. Attendez, on va voir si on en, en obtient bien 10. S'il n'y en a pas de coincés. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y en ait de coincés. Ceci dit, on peut vite vérifier si n'y en a pas de coincés. Mais vous avez vu, en plus de ça. Ah bah, s'il y en a un qui est resté coincé. C'est le souci quand il y en a 10. Euh, J'ai pas pensé. Alors normalement on n'est pas censé des... Alors si on veut vraiment être tranquille, je pense que on peut mettre... Qu'on en avait... Attendez, on en avait 64 plus 4. On va en virer 4, comme ça on s'assure d'en retrouver 64. On vérifie aussi qu'il n'y en ait aucun qui est resté coincé, mais... Pas l'impression. Et on va en mettre 32. Si on met un plus grand délai, ça devrait mieux marcher. 58, j'ai dû en avoir quelques. Ah, euh, je sais pas s'ils sont. 62. Non, j'en ai deux qui sont restés euh... coincés. Donc on en a quand même qui restent coincés sur le dernier tour. Pourquoi il y en a. Pourquoi j'en ai. Ah, j'en ai. Non, j'en ai un qui reste coincé. J'en ai toujours un qui reste coincé. Bon, c'est quand on en met plusieurs. Donc c'est pas 100% fiable. My bad. Il y en a un qui a dû tomber peut-être plus bas. Non, il est là. C'est pas 100% fiable. De temps en temps, il y en a un qui reste coincé. Mais bah, en théorie, ils sont pas censés dropper un stack et au pire s'ils si droppent un stack, ils récupèrent quasiment tout. Euh, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme système Évidemment il faut qu'on puisse ouvrir la porte si jamais on a euh, tout simplement détecté qu'il y avait euh, le bon item qui était passé. Donc pour ça on va venir mettre un piston ici qui va pousser ce bloc là. On va dégager de l'autre côté. Euh, et donc comment pousser ce bloc là On va détecter tout simplement on va le faire à l'ancienne, c'est-à-dire que on détecte quand un item passe dans cette barre de haut en dessous, c'est que forcément il vient d'un C2 filtre et on va le faire revenir au piston ici Je dois pouvoir le faire euh, peut-être avec un double inverseur, on s'emmerde pas Hop. Hum, Attendez c'est presque bon comme ça, on va le faire différemment Un fil de redstone euh, ah, maintenant bah non, on peut faire le double inverseur. Ouais, je, je vais me débrouiller. Bref, euh, donc on a ça, on a quasiment tout fini. Il nous reste évidemment la truc de retour, mais ça va être des hoppers qui vont arriver directement dans ce dropper ici pour tout déclencher. Et de l'autre côté, une petite plaque de pression qui euh, va venir déclencher un piston qu'on va positionner ici. C'est un piston normal, donc si on passe plusieurs fois sur la passe de pression, c'est pas grave. Là où c'est gênant, c'est si quelqu'un se met dans le système et il y en a un autre qui est. Situé sur la plaque de pression, mais ça ne devrait jamais arriver. Qui va venir refermer la porte dès qu'on passe là euh, Rien de plus compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je finis légèrement la redstone. Hein, vraiment, on a, on a quasiment terminé. Il suffit juste ici de relier et, euh, et les hoppers. Et je vais faire la déco. Et comme ça, on se retrouve pour conclure là-dessus. Et voilà, bon, la déco est finie d'un côté, mais pas de l'autre encore. Euh, parce que je voulais sortir l'épisode pour samedi. Il euh, faut que je réfléchisse un peu à ce que je vais faire de ce côté-là. Mais l'autre côté est terminé. Donc euh, je pense que c'est pas trop trop mal. C'est plutôt sympa comme thème. Du Nether, j'ai repris les grands classiques. À savoir, bon, typical Nether avec la euh, Nether Brick. Euh, évidemment, le petit quartz. Alors j'ai repris. Vous saviez. Vous savez que. Alors. Il faudra que je modifie ça parce que j'ai remis du gamma élevé, je crois, dans là dans mon jeu. Je sais pas combien je suis en gamma. Je suis Bright, voilà. Si on diminue, faudrait pas que je mette en moody. Alors là, on a beaucoup d'éclairage, mais vous savez que j'aime bien euh, utiliser. Euh, là, on, voilà, on est revenu sur des couleurs plus naturelles, Quoi qu'elles sont quand même beaucoup plus sombres. Ça, c'est marrant ça. Euh, de ce que j'ai l'habitude, j'ai l'habitude d'un nether un peu plus brillant. Bref, mais. Vous savez que j'aime bien utiliser les dalles et y mettre des lampes en dessous. On avait fait notamment notre hub du Nether dans le LP de cette façon-là. Bon là je peux pas trop le faire parce que j'ai mis de la lave sur le côté. Euh, mais du coup j'ai utilisé les blocs traditionnels plus les nouveaux blocs. Vous voyez cela c'est les fameux Nether wart, euh, Red Nether Brick. Donc ils sont avec de la Nether wart, Je trouve que ça amène une couleur... Euh... C'est bien de mettre les deux, ça amène deux teintes un peu différentes. Ils ont une couleur un peu plus sanglante. J'aime bien, ça va bien avec le, la lave. Et on complète le tout avec euh, de la hum, stone brick et de l'andésite qui sont de couleur grise qui passe très très bien avec le thème du nether. Euh, et des petites colonnes en obsidienne, même si le portail est plus petit. Hein. Le portail à l'intérieur est full obsidienne, comme ça on pourra logiquement pas passer de l'autre côté. Un peu d'éclairage ici, même si ça se voit pas trop. Euh, D'ailleurs, c'est censé capter l'éclairage. Des la lumière adjacente. Alors ça, c'est un bug. Hein. Ça sera fixé normalement. Enfin, ça a été reporté comme un bug. Donc voilà. Et ici, on a la porte. À noter que j'ai mis euh, juste ici, voilà, un, un petit grillage. On voit le piston derrière comme ça. Euh, et il faudra que j'aménage cette partie-là quand on arrive. Alors, je peux vous montrer ce que ça fait avec la porte fermée. Ça, c'est plus sympa. Avec quand même, voilà. Avec la porte fermée, évidemment, ici il va y avoir un contour qu'on peut plus ou moins faire d'ailleurs, parce que je vais probablement utiliser les mêmes blocs, en tout cas pour le contour. Hop. Alors, le seul truc qui me gêne un peu, et j'ai peut-être changé, mais on n'a pas de bloc central donc c'est problématique. C'est ici on voit les pistons, je suis un peu moins fan. Euh, ce qu'on peut peut-être faire, tout simplement. C'est utiliser des stairs. Ah ça peut être sympa comme ça les mecs, qu'est ce que vous en pensez Regardez moi cette porte, elle est pas swag Ah mais du coup maintenant on voit ça. <laughs> Comment faire pour bon, pas aller voir les pistons Il faudrait mettre de l'autre côté. Attendez, on va essayer de trouver un, un, un moyen de faire une porte. Maintenant qu'on a le contour c'est un peu plus simple. À euh, noter Ici, je trouve que c'est trop près de la porte, donc je vais le décaler derrière. C'est juste un déplacement de la machine. Euh, c'est vraiment pas compliqué. Pareil pour le retour. Hein, je déplacerai la machine. Je m'en suis aperçu euh, euh, après. Hop. Alors, comment on peut faire une jolie porte Ça, c'était pas trop mal cette idée. Non, Hop. pas ici. Comme ça. Et peut-être que là, on... si on fait ça dans l'autre sens. Comme ça, avec les petits trous, c'est pas mal ça. Euh, et sur les côtés, il nous faudrait des, des blocs, juste d'un sur les côtés, ça serait tellement bien. On peut mettre des blocs de verre. Alors, sinon, mais bah, ce qu'on avait mis hein, de base. Ouais, ça fait une porte pas trop mal au final. Ce qui est bien, c'est qu'on voit pas les pistons en fait. Parce que je suis pas trop, trop fan de voir forcément les pistons, et là au moins on les voit pas. Et donc, si on réouvre, il suffit juste que je mette un bloc ici, et ça va les renvoyer. Ça les a renvoyés dedans. Si on réouvre, on voit juste le détecteur ici. Euh, de ce côté-là, on va cacher le truc. Et en bas, c'est pareil. On va cacher les trucs. Voilà, comme ça, on est tranquille. On voit juste le qu'on peut planqué je pense si je lui dis d'observer ce piston là donc je vais décaler ça voilà on en reste là pour aujourd'hui euh, je vous dis rendez-vous à la prochaine sachant que si vous regardez cet épisode aujourd'hui où on est samedi il y a un gros stream ce soir où on va finir le temple du des gardiens donc euh, c comme ça vous, vous verrez la fois prochaine euh, et je pense que ouais je pense que ce soir le stream je vais le faire avec euh, minecraft avec ah ouais mais sauf si je me déplace ça va être chiant oh. Faudrait que j'ai un Minecraft lancé qui download avec mon compte spec. Pour faire un petit timelapse, ça pourrait être sympa. Je vais essayer de faire ça. Euh, voilà, allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis rendez-vous à la prochaine et ce soir en stream, si vous voulez venir. Ciao ciao ciao